Alors là, je ne vais pas. Dans ce que je sais être mon parcours personnel, en fait, là où je prends le centre, où je diète, en fait, c'est un centre qui est spécialisé dans l'accompagnement des toxicomanes ou des addictions, en fait. Et donc, je sais qu'avec le travail de la plante, quand il y a une consommation excessive, c'est le reflet d'un mal-être, c'est le reflet de quelque chose qui s'est cristallisé à un moment donné, et donc une compensation se met en place. Et donc parfois, bah, certains outils, donc moi je vais parler de la plante, mais les outils comme la plante peuvent aider en fait à sortir de ce cercle vicieux, tout simplement en allant pointer du doigt qu'est-ce qui est à l'origine de mon mode de fonctionnement, qu'est-ce que je compense. À partir du moment où je mets le doigt sur ce que je compense, alors je vais pouvoir aller le traiter, que ce soit en psychothérapie, en constellation familiale, peu importe la technique que j'utilise après. Et une fois que c'est qu'on va le traiter au niveau éthérique, alors je peux aussi mettre en œuvre ma volonté, et notamment en s'exerçant avec, là je vais reparler du Kundalini Yoga, donc avec des kriyas de yoga qui sont spécifiques sur la volonté, par exemple. Eh bien, je vais pouvoir contrer le réflexe spontané que j'aurais d'aller compenser avec, par exemple, de l'alcool. Super.